enfants de la télé. Bonsoir, Antoine Bertrand. Bonsoir, Véronique Cloutier. Bonsoir, tout le monde. Allô. Allô. Antoine, j'ai un peu peur ce soir. Et pourquoi donc, Véronique? Un peu peur parce que déjà que toi, t'es pas facile à contrôler. Ce soir, sur la chaise devant toi, il y aura Mike Ward. Ouh. Fait que ça va être moi la police du bon goût. Oui. On est dans le trouble. Effectivement. Alors, on se croise les doigts et on accueille nos invités de cette semaine. Voici Pierre-François Legendre, Louise Turcot et Mike Ward. Oh! Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Tout le monde est prêt? Oui, oui. Oui? Pas trop nerveux? Ben non. Non, ben le moins nerveux, ça doit être Mike, j'imagine. Ben, j'étais pas du tout nerveux, puis je me suis rappelé à toutes les conneries que j'ai faites. Là, je suis vraiment stressé. Michel, où tu pensais qu'il n'y avait pas de caméra? Oui. Là, t'es moins sûr. Oui. Mm-hmm. On va commencer avec Pierre-François. Ah, ça va te donner excellent. Quelques secondes de répit encore. Pierre-François, pour te découvrir à tes débuts, premier emploi de commis de quincaillerie. Je sais pas si ça dit quelque chose. Bouscotte. Je dois passer aujourd'hui une grosse commande pour le stock. Ce serait important qu'on fasse la liste ensemble. T'es payé pour remplir les commandes, t'as juste à t'en occuper. Compte pas sur moi pour te servir de béquille. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Oh! Hey, c'est drôle parce que je me souvenais de cet extrait-là. C'est une des premières affaires que j'ai faites, mais j'avais aucune idée que c'était ces cheveux-là. Madame, c'est j'avais... quelque chose, là. Mais là, je me revois avec mes photos du conservatoire. C'était tes cheveux? Oh, ouais. C'est les cheveux à Pascaro, ma sœur. Elle était plus brunette. Mais oui, la coupe, c'est la même coupe. T'as la coupe Longueuil à Montréal et toi, t'étais de Québec. C'est la coupe Sainte-Foy. C'est la coupe Saint-Romuald. Ou en Estrie, la Quaticoupe. On les salue. Oh, un bon jambon! Tu l'avais jamais entendu, Antoine, à quoi tu coupes? Tu joues dans la finesse, la petite dentelle. Wow, extraordinaire, bravo. Extraordinaire. Pour, on va donner un peu de lustre à cette émission ce soir, il y a une touche de féminité. Heureusement, nous accueillons Louise Turcot. Louise, nous allons remonter dans le temps, en noir et blanc, 1966. On vous voit en plein cauchemar et vous vous réveillez devant le sosie de Richard Desjardins. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste un rêve, Louise. J'ai jasé avec mon instinct, c'était puis j'ai couché dans mon char. C'était plutôt psychédélique comme affaire. Je pense que c'était vraiment ma première émission de télévision. Oui. Est-ce que tu as remarqué que je me ressemble pas tellement? Ben, je trouvais... Vous m'avez soufflé quelque chose à l'oreille qui ben m'a oui, surpris. Oui, c'était mon ancien nez. C'est ça! Qu'est-ce qu'il est devenu, lui? On peut le voir à prise 2. Il est allé dans un film d'horreur. Ouais, c'est, ouais, ben, il était dans le bon film, en tout cas. Louise, en 1970, vous avez incarné une femme de banlieue qui s'ennuie et ça a donné un film de culte. Mmh. Deux femmes en or. Du printemps, que reviendras-tu? Faire pousser les feuilles, faire pousser les feuilles. Du printemps. Nettoyez-moi bien ça, hein? J'ai une grosse réception dimanche. Inquiétez-vous pas, madame, je suis là pour ça, madame. J'aimerais ça vous aider. Jamais de la vie! Ben, ça me ferait quelque chose à faire. Si vous insistez... Pour m'amuser. Bon, ben, faites la bordure. Du printemps, hein? Reviendras-tu? Faire pousser les feuilles, faire pousser les feuilles. Du printemps, hein? Reviendras-tu? Est-ce que je fais bien ça? Est-ce que c'est fini? C'est fini, Louise? Oui, est-ce que je peux regarder maintenant? De... Ça m'était un rêve! Mais il me faisait tellement rire, Paul Bernal. Puis vous savez, cette scène-là, je me suis brûlée au deuxième degré. Non. Parce que la mousse, là, c'est bien beau, cette mousse-là, mais le gars qui a inventé ça, cette mousse-là, il avait trempé ses mains dedans.
Puis elle dit, oh, c'est parfait, c'est pas dangereux. OK. Mais moi, j'ai passé peut-être 6 heures dans la mousse. Là, ça devenait et plus puis nocif. Il fallait que ça soit chaud, parce que sans ça, ça fait pas de mousse. Okay. Puis il y avait comme une espèce d'aspirateur là, qui soufflait ça, la mousse, pour que... Parce que je sais pas si vous vous souvenez, ben, peut-être que tu l'as pas vu, Antoine. Non, mais... j'ai pas vu. Mais après, la mousse débordait, tu sais, okay. Il y en avait... J'étais pas concentré là-dessus, vous l'aviez un tapis? Oui, on l'avait un tapis. Honnêtement, je pense que personne n'a remarqué qu'est-ce qu'elle avait. Brûleur, en tout cas, brûleur, on a interrompu le tournage pendant 24 heures pour permettre à ma peau de se reposer. C'est vrai! C'est dangereux, vous savez, les films cultes. Ben oui! Notre troisième invité ce soir est non le moindre, le mouton noir foncé des humoristes du Québec, Mike Ward. Mike, qui a déjà été au cœur d'un très sérieux dossier à l'émission Enjeu. Hein? Oui. Oh oui. Oh, OK, j'ai hâte de voir ça. Mike Ward est l'enfant terrible du petit monde de l'humour au Québec. Ses blagues ne sont pas des plus subtiles, vous allez pouvoir le constater. Il se produit principalement dans les bars. Sortez avec 8 mois de temps, devinez combien de fois qu'il est venu. Zéro. Zéro, c'est pas une de fois. C'est pas parce que j'ai pas essayé, tu sais, j'ai tout fait de cette fille-là. Tu sais, je parlais cochon, j'avais des boules chinoises, j'avais un vibrateur, j'avais un petit kit de cuir, je me déguisais en Superman, j'avais la chaise roulante pis tout. Pis rien. Je sais pas si c'est parce qu'elle était frigide ou parce qu'elle avait 8 ans, mais... Moi, je vois pas ça comme étant de l'humour vulgaire. Moi, c'est juste qu'est-ce que moi, je trouve drôle. Fait que moi, la seule limite, c'est si je trouve ça drôle, je vais le faire. Si je trouve que c'est pas drôle, je le ferai pas. Ouais. Moi, juste voir un gars avec un clou dans l'œil puis les cheveux bleus parler à Enjeu, déjà, je trouve ça fantastique. T'en parles de ce reportage-là, oui, Mike, dans oui. ton spectacle en ce moment? Oui. Oui. Ça, c'est... j'avais jamais fait de télé. C'était la première au Canada. Première fois, c'était cet extrait-là. Ça rend fière une mère. Ouais. Je me rappelle, moi, ça, ma famille était comme, hey, Mike va passer à la TV. Mike va passer à la TV. J'ai passé à la TV, puis je les ai plus jamais revus. Mike, t'es sorti de l'École nationale de l'humour en 95, mais le grand public t'a plus connu au Gala des Oliviers. Et en je 1900... t'arrête tout de suite, Véronique, oui? Puisqu'il s'agit du Tony de la semaine. Oh! Déjà! Mesdames et messieurs, le Tony de la semaine est remis au roi du malaise. Celui qui se lève et qui monte sur scène pour aller chercher un trophée qui était destiné à Martin Matt. C'est parce que... Pensez pas, j'aimerais juste... Je vais faire ça bref. J'aimerais juste... Merci beaucoup. J'aimerais dire que ça, c'est pour toutes les filles qui voulaient pas coucher avec moi au secondaire. Mangez de la marde! Il y a une couple de petites grosses à Québec qui sont en train de broyer, là. Merci beaucoup. Quand je veux pas qu'il revienne. Alors, venir chercher son trophée qui lui appartient, celui-là, Monsieur Boule Chinoise, Mike Ward! Finalement, je vais coucher avec les filles, j'allais au secondaire avec. Très content, puis je vais y enlever la bédaine, puis je vais y mettre une petite moustache louche. Fait que, merci beaucoup. Bravo! Merci. Je sais pas pour avoir le zoui-zoui de même, là, puis... Annie qui est de même chez moi, là, puis regarde ça. Le phénomène de la tortue effrayée. Ce soir fait aussi carrière en anglais.
En tout cas, de plus en plus. Et en anglais, on ne te définit pas de la même façon qu'on le fait en français, comme tu l'as expliqué au franc-tireur. OK. Pourquoi on se cache de cet humour-là? Parce qu'on aime à peu près tous. Il y a une affaire qui est très drôle. J'ai remarqué la différence entre l'anglais et le français. Chaque fois que je joue en anglais et j'ai une critique, c'est tout le temps « smart and edgy ». Le mot qui sort le premier, c'est tout le temps « c'est intelligent », mais c'est cru, c'est intelligent, mais c'est corrosif. En français, je pense qu'il n'y a jamais personne. La première personne qui m'a décrit comme étant intelligent, c'est moi, là. Alors d'abord, bravo, parce que c'est quand même un beau compliment. Mais c'est moi qui se le fais, par exemple. Donc, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut rien. J'aurais pu se dire, hey, je suis vraiment beau et mince. Puis... ça aurait été la même chose. Mais Mike, as-tu le sentiment parfois qu'on te comprend mal, nous, en français? Bien, c'est que souvent, je pense, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde avant moi qui faisait dans ce genre-là, qu'on dirait en anglais... ils se disent, bon, ils sac, mais ils voient le contenu. Tandis qu'en français, il y a bien du monde qui entend juste les sacs. Fait que tu sais, une joke super intelligente qui fait de la critique sociale, mais qui a un sac dedans, le monde va faire, ah, il a sacré, c'est une joke de cul. Mm-hmm. Mais la joke, elle serait drôle pareil, puis je suis pas le maître du bon goût, là. Serait... non, vraiment pas. J'ai sauté un peu vite là-dessus, je trouve. Mais... une joke qui est drôle, normalement, t'enlèves le sac, elle est drôle pareil. Oui, mais elle est moins drôle. Pour vrai? Bien, ça dépend des jokes. Il y a des jokes, des fois, comme mettons, moi, un nouveau numéro, il y a des sacs 100% inutiles parce que je suis nerveux, puis, tu sais, ça sent naturellement. Ouais. Mais des fois, il y a un gag que le sac, il est payant. OK. Des fois. Jouer entre adultes, c'est pas facile, hein? C'est tout un métier. Alors, imaginez quand on ajoute un bébé là-dedans. Et voici la définition d'un tournage pas facile, version auberge du chien noir. Si tu pars avec le petit, moi, je mets la police après toi. Ça va être traumatisant, ça, pour un petit gars, hein? J'ai 40 piastres. Prends ça, le petit sac, ton camp. 40 piastres. Tu veux-tu rire de moi, hein? Le gars, un ami, avec un gros char, qui t'avait tout de temps en temps. Tu vas en avoir du cash, lui? Ouais, il y a du cash, des avocats pis des contacts. Pis si tu m'écœures, tu vas avoir affaire à lui. Fait que je suis sûre que t'as pas le goût de retourner en prison. Oh, on s'habitue, tu sais. Là, tu vois que sa mère est en coulisses. Là, parle-moi de ça, là. Vous pouvez remarquer là, que je fais des pauses dans mes phrases pour faire « j'arrête-tu ». Ouais. Mm-hmm. « J'arrête-tu ». C'est juste ça. Donc, je défile mon texte. Il n'y a vraiment aucun plaisir. Et on tourne avec... on tourne avec des jumeaux, si vous savez, mais dès qu'il y a un enfant d'impliqué, habituellement, c'est des jumeaux parce que... pour qu'ils se reposent. Ils sont lâches, eux autres, là, fait qu'ils peuvent pas... Ça a l'air qu'après 2 heures, ils sont fatigués. Là, il faut changer. Mais là, les deux étaient comme... Vous voyez qu'ils se taguent, ils... Mais est-ce qu'ils devaient pleurer dans la scène? Non, ils ne devaient pas pleurer. Oh, bon, on se demandait, puis il y a un horaire à respecter. Là. Donc, tu fais qu'est-ce qu'on fait avec la scène? Là? Elle va être de même. Ça va être ça. Ça va être ça qui est ça. Louise, on va regarder un extrait du Grand Remous qui date de 1989. Et c'est un extrait avec Gilles Renaud qui est devenu... par la suite, votre amoureux. Et on a reçu Gilles sur ce même plateau qui, lui, garde un souvenir bien précis de cette scène du Grand Remous. On va voir si vous avez le même souvenir, d'accord? D'accord. Vous n'étiez pas en couple à l'époque avec Louise. On n'était pas en couple, j'arrêtais pas de dire « échappe le savon, échappe le savon ». Mais il faisait pire que ça. À chaque fois qu'il me rencontrait, il disait toujours « mets mon nom sur ta liste d'attente ». Oh! C'est comme ça qu'il crousait. Il s'est acharné pendant des années. C'est vrai? Mais oui. Oh, Pierre, elle trouve ça drôle. Donc, OK, donc il était assez ouvert, il avait ouvert son jeu. Il avait ouvert son jeu, OK, oui, ça a pris combien de temps avant que vous finissiez par craquer? Plusieurs années. Puis ça a été quoi, le coup fatal? Le savon. Le coup fatal, c'est qu'on jouait dans la même pièce de théâtre, OK, Ivanov de Tchekhov. Le décor était magnifique, c'était super romantique. Et puis un jour, on est descendu au petit restaurant en bas, on appelait ça le Greasy Spoon. On est descendu en bas et
c'était, on n'avait pas beaucoup de temps pour manger. On s'est accotés tous les deux comme ça, puis on a dit en même temps, je vais prendre un grilled cheese avec des tomates. Ça a l'air drôle de dire c'est ça, des là, mais c'est un élément déclencheur. Donc, vous avez dit ça en même temps, puis il y a eu un déclic. Et puis, quelques jours plus tard, c'était nos anniversaires, parce qu'on est balance tous les deux. Quelques jours plus tard, on s'est offert le même livre en cadeau. Mais voyons donc. Je te dis, on était fait pour se rencontrer. C'était dû, et ça fait combien d'années maintenant? Bientôt 20 ans. Bravo! Ah, ça achève! Oh. Je vais aller laver votre tapis, moi! Faire un lien avec l'extrait qu'on vient de voir, on peut savonner les parties intimes, hein, mais on peut aussi leur faire mal. Et là, vous pensez que je parle d'un extrait qui met en vedette Mike Ward? Non, c'est Pierre-François. Oh, pas mes parties? Oui, avec Annick, avec Annick Lemay. Elle t'a fait mal? Oui, dans un extrait qui s'appelle « La belle et la bite ». On dirait que c'est fendu. C'est la première fois que ça t'arrive. Oh, veux-tu que je te mette du peroxyde? Ah! Bouge pas, j'en viens. D'après mon père, il n'y a pas de désinfectant plus efficace que la salive d'un chien. Quand j'étais jeune puis que je me blessais, mon père demandait toujours à Steve de venir me lécher. C'était plutôt humiliant d'offrir ma plaie à une boule de poils. Mais l'idée de mettre du peroxyde sur mon... sur mon sexe, là, m'excitait pas non plus. C'est à ce moment-là que j'ai crié. Mais, premièrement, oui. Qu'est-ce que c'est des chiens et des quilles? Un court-métrage qu'un de mes amis... OK, c'est court, là. C'est court? OK, c'est pas une série, c'est pas 13 épisodes. Là. OK. C'est un court-métrage qu'un de mes amis avait financé et avait décidé de produire lui-même. Puis je pense que c'est un petit peu resté dans ses boîtes. mais nous, mais on l'a trouvé. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Mais on était nus, hein, pour vrai. J'étais avec Annick Lemay, là-dedans. J'étais tellement gêné. J'étais tellement gêné qu'avant la prise... Puis en 98, là, j'étais encore au conservatoire. Puis avant la prise, je m'étais scotch-tapé une débarbouillette. J'étais, ouais, j'étais pas capable. J'étais ben trop gêné. Je sais pas pour avoir le zoui-zoui de même, là, puis... Annick est de même sur moi, là, puis regarde ça. Le phénomène de la tortue effrayée. Donc, Comme j'aimerais quitter ce sinistre château. Je détestais Nick et Pic. Pas l'émission, les marionnettes elles-mêmes. Ah, OK, pourquoi donc? Puis il me tombait ses nerfs parce que c'était... Surtout comme stand-up comique, c'est-à-dire que tu t'adresses toujours en toi-même pour tes spectacles d'humour. Mais là, ça va être gênant. Non, mais t'as quelques personnages. Oui. Dont un qui s'appelle Henri. Oui. Qu'on que je fais, c'est le personnage que je fais avec Patrick Groulx. Oui. Qu'avec Patrick Groulx, il est très bon et seul, c'était horrible. Et là, je sens qu'on va me voir avec Guillaume Lepage. Henri, approche-toi. J'ai pas peur, j'ai pas de mauvaise haleine, regarde. Mais maudit que je pue les mains. Dégueulant. Hey. Guy? Oui? Je dis pas ça à tout le monde, là, mais t'es mon meilleur ami. Ça va pas faire qu'on rentre en appart ensemble. Ah oui, tu penses si vite que ça? Ouais, je pourrais même co-animer l'émission avec toi. Ben oui, pas de problème. T'as dit ça, je deviendrais le sex symbole d'une génération. Ouais, la génération sacrifiée. C'est un genre de Brad Pitt butterscotch. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est pareil. C'est moins pire que dans ton souvenir? Oui, okay. Oui, mais c'est correct. Oui. Tu sais, quelqu'un de positif va dire c'est correct. Ça casse pas mais il n'y a personne qui va regarder ça en disant « Eh! Ouais. Il faut que j'aille le voir! » Moi, j'aimerais souligner la fermeture totale de Guillaume Lepage qui t'écoute comme ça, qui est un signe universel de « je veux rien savoir ». Mais ça, c'était la première de « Besoin d'amour ». C'est pour ça que je pensais, pour de vrai que ça allait lancer ma carrière, puis je me disais, c'est la première du talk show à Guillaume Lepage. Il va y avoir des codes d'écoute de 2 millions, puis
finalement, tu sais, il y avait... T'as mieux passé à la première, parce que dès la deuxième, ouais, ouais, je pense que ouais. ça avait... Louise, on vous a vu tout à l'heure dans Deux femmes en or, et à la même époque, bien, les jeunes qui ne pouvaient pas aller vous voir au cinéma dans ce film pouvaient vous voir dans Nick et Pic. Changement d'univers. Oh, comme j'aimerais quitter ce sinistre château. Oublier ces murs qui sentent la poussière. Oh, cette armure lugubre qui a toujours l'air de me surveiller. Ces ancêtres qui viennent toujours me tirer de mon sommeil. Oh, quand j'y pense, je... Hey, bonne là-dedans. Mais je pleure souvent dans mes rôles. Hein. Oui. C'est mon karma. C'est... Je suis tellement tannée. Ben, c'est parce que vous devez être bonne. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais les souris aussi. Je détestais Nick et Pic. Pas l'émission. Les marionnettes elles-mêmes. Ah, OK, pourquoi donc? Puis ils me tombaient ses nerfs parce que c'était. C'était difficile de jouer avec des souris. Vous pleurez souvent à la télé. On me dit qu'on a trouvé un autre extrait. Vous avez aussi pleuré dans Fanfreluche. Ah. OK. Puis le début de l'histoire, il était une fois, etc., où on parle de la pauvre Cendrillon qui était toujours habillée en haillon. La voici tenue sur cette page. Oh. C'est deux vagues. C'est une deuxième vague. Pas exagéré du tout. Là, c'est quoi, c'était Kim Yaroshevskaya qui vous énervait, là? Non, personne m'énervait, mais juste pour te dire que j'ai pleuré comme ça, mais ça va faire 48 ans que je suis comédienne. Ça fait 48 ans que je pleure. Pierre-François, t'as souvent parlé du respect que tu as pour l'acteur Rémi Girard. Hein? Oui, 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 oui. Et tu as eu le bonheur de jouer son fils au cinéma dans Cabotin. Oui. Parce que toi, monsieur, il a couché avec la femme du gros Marco pendant 10 ans. Mais au lieu de t'occuper de ma mère... Hein? Tu diras que t'avais pas le choix parce que la seule façon de l'acheter, le gros Marco, ben, c'était d'y donner ce que t'as de plus précieux dans ton existence. Et j'ai nommé ta tabarnak de Mercedes. Chaque pas près mon char! C'est même plus ton char! Hey! J'ai dit! Oui. OK, oui, vas-y, frappe-moi. Vas-y, laisse-toi aller. T'aimerais trop ça. Ouais. Sais-tu quoi? T'as raison. Tu que j'aimerais ça. T'es pas bien, Pedro. T'es malade dans ta tête. T'as besoin de soins, t'as besoin de médication. Cogne! Oh ouais, cogne-moi! Non, non, commence pas à jouer à ça. Tu vas jamais rien donner dans le bain, Chris. Donne-moi un coup de poing sur la gueule, ça sera toujours bien. Arrête, parce que moi le fais! Ah ouais, fais-le! Lâche-moi! C'est une belle scène, ça. Oui, une belle scène. Ah oui, la veille que tu t'en vas tourner ça, c'est dans les premières journées de tournage en plus. Tu y penses un peu, tu sais, Rémi Girard, effectivement. C'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect. Au conservatoire, on me dit, les profs me disaient, on a l'impression que tu imites Rémi Girard. Alors, je n'étais pas conscient, mais peut-être que c'était un acteur auquel je m'identifiais. Tu as remarqué qu'on a quand même un peu des faces qui peuvent se ressembler. Ah, ouais. Peut-être qu'il y avait un peu de ça. Puis quand j'étais venu faire mes auditions ici, là, après les écoles de théâtre, on vient faire des auditions à Radio-Canada. Puis je l'avais croisé dans les couloirs de Radio-Canada. Puis j'avais vraiment fait « Papa! » Un peu un joke, mais il avait bougonné quelque chose. J'aimerais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission spéciale Jeunesse, incluant des invités de toutes les générations, Bob Binette, Stéphane Bellavance et M. Paul Buissonneau et plusieurs autres. Ça, c'était pas un peu dangereux, Paul, quand même? J'entends pas grand-chose. Hein? C'était pas un peu dangereux, ah! Paul? Enfin, il y en a qui cause. Bon! Qu'est-ce que tu disais, mon gros? Hey! Pas lui, ça, non? Tant qu'à se faire casser, t'es aussi bien de se faire casser par le maître. De retour à nos invités. Mike, on t'a présenté depuis le début de l'émission comme un gars sans limite, ce que tu es pas mal. Mais là, on va présenter un extrait où tu essaies de modérer tes transports. Hein? Okay. Qu'est-ce que ça donne quand Mike Ward essaie de faire de l'humour propre? Moi, j'ai une mauvaise réputation. T'sais, souvent, le monde dit que je suis vulgaire, je suis trop éveillé, je parle de cul.
Mais là, à soir, tu sais, vu que c'est un show télé, on est au Saint-Denis, j'ai décidé de faire de l'humour clean. Tu sais, de l'humour grand public. Des jokes cute, là. OK. Fait que j'ai été en train de fourrer une chef. Puis... tu sais, quand ils sont trop basses, là. Qu'est-ce qui est drôle de ça, c'est que la plupart du monde dans la salle ont fait « Ah, c'est-tu de malade? » Sauf le monde de la bosse. Eux autres faisaient « C'est vrai que des fois, ils sont trop basses. » Ce que j'aime, c'est que tes extraits ce soir, les gags, on les sent rentrer dans les gens. Ça fait comme... Hey, oh, oh. Il y a toujours un petit déséquilibre. Ça, je me rappelle, c'est un gag-là, le monde en parle. Tu sais, l'affaire de la chèvre, le monde m'en parle encore aujourd'hui. Puis c'était un numéro que j'avais fait qui était propre pour de vrai. Puis j'avais dit à Jacques Chevalier, j'avais dit, regarde, je vais faire un gag vulgaire, mais enlève-le. C'est juste pour la télé, oui. Tu sais, enlève-le pour la télé, mets mon numéro plus clean. Puis finalement, il a juste mis cette affaire-là. Puis c'est drôle, à cette époque-là, je regardais tout le temps à terre. Ouais. J'étais comme mal, on dirait. Je savais que le monde allait m'haïr. Fait que là, j'étais nerveux. Le Québec s'est habitué à ton style, ouais. Mike. T'as maintenant ton public à toi, mais t'as eu ton scandale dans ta carrière. Ça en prend toujours un. Je m'en rappelle pas. Il y a un de tes gags qui a été répété hors contexte. Et avec la légende, c'est presque devenu le numéro de Mike Ward sur Cédrica Provencher. Alors que si on retourne à la base, le gag, c'était celui-ci. Sauf Revenu Québec, c'est des malades mentales. Revenu Québec, tu leur dois 8 piastres. Ils vont kidnapper tes enfants. Ils sont vraiment... Ils sont fous. C'est eux autres qui ont la petite Cédrica. Ils sont vraiment... C'est des capotés. Encore une fois, hein, tu sens... Oh! Le monde est... Évidemment, on pouvait pas ne pas revenir là-dessus, puisque ça a été étonnamment ton seul scandale. Oui, ouais. Et ça, ce numéro-là, c'est un numéro... C'est là que tu vois que j'ai aucune idée que je suis en train de faire, parce que... Je faisais un numéro sur un voyage en motorisé pour le gala Jean-Marc Parent. Ça, c'est un des gags dans le numéro. J'étais débarqué de scène et j'avais dit à mon gérant, je fais du Michel Barrette. J'arrêtais pas de dire au monde, je suis le nouveau Michel Barrette. Je disais ça en joke. Des anecdotes. Puis là, je suis comme Jean-Marc. Puis moi, dans ma tête, c'était le numéro le plus gentil que j'avais écrit de ma vie. Puis le lendemain, j'avais eu une belle critique. Puis c'était trois semaines après, il y avait eu un article que là... ça disait qu'il y avait eu plusieurs humoristes qui avaient fait des gags sur la petite Cédrica pendant le festival. Ça nommait une couple de gags. Ça disait « Et Mike Ward qui a fait un gag inoffensif d'un gala. » Et là, vu que j'étais le seul non connu, puis là, le monde se sont mis à imaginer c'était quoi la joke. Et là, plus ça allait, plus j'avais de l'air d'un monstre. Ça doit être un peu frustrant pour toi parce que avec le temps, comme je disais, c'est devenu presque le numéro sur Cédrica Provencher, alors qu'il n'est pas du tout question de ça. J'ai été 6 mois, j'ai plus fait de show au Québec. J'ai été entre 2 tournées, fait que j'ai commencé à faire des shows plus en anglais. Puis au début, quand j'écrivais, j'avais peur. Je me disais, ah, je peux pas dire ça, tel groupe va être choqué, telle personne va être choquée. Puis après, je suis revenu quasiment de l'autre bord que là, je voulais trop choquer. Fait que ça m'a pris 1 an à redevenir normal. Donc, tu es affecté par la critique. Oui. Là, ben oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Puis là, moi, c'était pas pour blesser personne. T'sais, mon but, quand j'écris, c'est pas... Tu sais, je suis pas dans mon sous-sol en train de me dire, hey, quelqu'un va avoir de la peine avec mon gag. Là, t'sais. Mon but, c'est de faire rire, puis des fois, c'est pas... Excuse-moi, c'est choqué qu'ils t'ont déjà menacé. Oui, bien ça, ce gag-là, j'avais du monde de parker devant chez nous. Mais il était drôle, il était parké devant chez nous. Puis là, moi, je regardais, puis je sortais dehors pour voir qu'est-ce que vous faites. Puis là, aussitôt que je sortais dehors, il faisait comme si il attendait l'autobus ou... tu sais, puis je reste en banlieue, il y a pas d'arrêt d'autobus. Il était sur mon terre-plein, puis il me regardait. Il regardait ma maison. Fait que c'était... Une forme d'intimidation. Ouais, mais intimidation malhabile. Okay. Un autre registre, mais un autre film culte, celui de Pierre-François, cette fois-ci, Québec-Montréal. Oui. Ouais. OK, mon homme, là, c'est la dernière fois que... Arrête de m'écœurer que tes ultimatums à la marde, là, je m'en fous. J'ai pas envie. Regarde, j'ai essayé, là, mais y a rien à faire, ça me tente pas. Tu vas pas me faire ça aujourd'hui. J'ai pas envie de rester à Montréal, c'est lettre. J'aime pas les gens, personne ne se regarde dans la rue, tout le monde s'en fout.
J'haïs ça, Montréal, j'étouffe! J'étouffe! Il y a trop de ponts, je connais pas un chat, je veux pas changer de job, j'aime ça, Québec, moi! Je sais pas pourquoi je m'en vais là! Pas besoin de défis au travail comme toi, moi! Je suis bien comme je suis, puis ça finit là! Bon pour m'ostiner sur le bord des autoroutes. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, ma place. C'est l'exemple d'un beau, beau grand succès qu'on voit pas venir du tout. Oui, oui, une petite surprise. Puis, succès critique, succès public aussi. Je me souviens plus. Qu'est-ce... Je pense que ça fait 1,2 en salle. Là. C'est à l'époque où le cinéma québécois aussi, c'était en 2002. On parle d'un 1,2 million, oui. Oui, 1,2 million. 1,2 entrées. Il y avait un homme et un nain. Mais comment ça se vit quand on commence sa carrière, on participe à un film, comme tu dis, ben, avec un bon à faible budget, puis finalement, pouf! C'est génial! C'est génial parce que ça a tout été une clé pour rentrer dans le métier et avoir un peu plus de crédibilité aussi pour tout le monde. Parce que si tu regardes tout le monde qui a joué là-dedans, a une belle carrière aujourd'hui. Hey, les films de fesses québécois, ça a été toute une époque. Hein? Ça s'en vient de votre bord, je pense. Oui, c'est ça. L'époque où les films, c'était presque n'importe quoi. Voici un extrait psychédélique, encore une fois. Yes! Du chat botté. Et oui! Elle pleure encore dans cet extrait. Le lit en toton! Qu'est-ce que t'as? Ça me fait mal jusque dans le ventre quand je t'entends pleurer comme ça. T'es cruel! Pourquoi est-ce que tu me racontes pas tout simplement ce qui te tracasse? Non! Aujourd'hui au salon, j'ai coupé les cheveux. J'ai une belle petite fille! Alex! Ouais? Le sais-tu que je t'aime? Tu le sais que j'ai des gros sentiments pour toi. Sans ça, je te ferais pas l'amour. Je te l'ai déjà dit, je suis faite comme ça. J'ai réfléchi. Je veux que tu fasses un enfant. T'as envie de faire l'amour? Même pas! Ben oui, mais Chris! C'est le fond pour l'amour aussi, mais je veux un enfant de toi dans mon ventre. Où est-ce que tu t'en vas, Alex? Faut absolument que j'aille voir Rosaire. Ça, c'est du bonbon. Oui, pour toi, peut-être. Ah, je me tanne pas. Une tangente, hein? Larmes et foufoune, là, ça... Et ça va bien ensemble, hein? La perruque, moi, c'est la perruque. Vous remarquez tous mes beaux cheveux. Ah, mais la perruque, le lit en sein. Y a-tu un lit en sein, j'ai pas remarqué? Oui, il y a tellement un lit en sein. La poste synchro, hein? Oui, oui. C'est complètement... Tout est réussi, je trouve. Ah, c'est vraiment... J'ai des gros sentiments pour toi aussi. Jean-François, je sais que tes fans qui sont à l'écoute ce soir se disent depuis le début de l'émission, ben voyons, faut qu'il passe ça, faut qu'il passe ça. Mike, ta série Le Gros Show est devenue un classique, un incontournable pour les fans de Musique Plus. Et on va voir une scène intense de Poudy et Chabot, mes préférés. Puis toi, le lead guitar, t'es rendu back guitar. C'est moi le lead guitar. Ah ouais, suis-moi puis watch-moi comment je fais la guitare. You're a strange animal, that's what I know. Wow, 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 wow. You're a strange animal, and got to follow. Wow, 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 wow. Yes! Rock and roll! Ça, j'adore. Et en plus, dans cette extrait, on voit que Martin Perizzolo, avec qui tu joues, est crampé. Oui, oui. C'est Martin qui écrivait ça. On avait... Moi, j'avais déjà mon personnage dans ma tête. Lui, il avait son personnage dans sa tête. On est arrivé au tournage, puis là, on avait les deux la même voix. Une espèce de... une voix de colon. Fait que là, j'ai fait... Moi, mon gars, vu qu'il chantait haut, j'ai fait... OK, il va tout le temps... Il va parler comme un... Comme une toune de Motley Crue, là, tu sais. Fait que c'est pour ça, tu sais, là, il est devenu... Puis c'est... Je suis vraiment un mauvais comédien. Fait que moi, c'était... C'était moi avec une perruque, puis la voix trop haute. En tout cas, moi, j'aimais bien ça. Ben merci.
Louise, vous avez été tête d'affiche du téléroman La Promesse pendant plusieurs années. J'ai beaucoup pleuré. Ah, oh, aussi, oui. Voici un extrait. Je suis pas à l'âge, là. Je me sauve pas de ma vie. Je veux juste abréger des souffrances qui servent à rien. Je sais, je sais. Ça va. Ça va aller, ça va aller. Dont tout le monde a parlé suite à la diffusion donc, de cette scène de La Promesse. Vous avez collaboré à l'écriture aussi de La Promesse. Oui, dans La Promesse, j'étais dialoguiste. J'écrivais les dialogues. Et puis, ce qui était très dur, c'est que ça a duré quasiment 6 mois, tout ça. Hein? Parce qu'on a commencé, il y a eu l'annonce du cancer. Et ensuite, pendant 6 mois, on est allé jusqu'à la mort du personnage. Donc, j'ai été malade longtemps. Oui, alors on en a traversé des scènes. Je pense que c'est ça qui a beaucoup touché les gens. Et puis nous, à la fin, c'est drôle à dire, mais Germain aussi, il avait hâte de mourir parce qu'on n'en pouvait plus. D'être dans cet univers-là. C'est dans cet univers-là qu'on a embarqué dans la douleur à chaque fois, puis qu'on s'arrachait le cœur. Puis Germain disait souvent, je pense à mon père qui est mort, je pense à ma mère, on pensait à tous nos morts. C'était vraiment... Ça remue toutes sortes de choses. Puis je pense qu'au fond, les acteurs ont été vraiment extraordinaires, tous les gens qui entouraient Germain et tout ça, parce que ça remuait beaucoup de choses en chacun. Donc, chacun a mis quelque chose de personnel dans son interprétation. Puis c'est ça qui a touché beaucoup, beaucoup de gens. Oui, et ça a été un beau succès. C'est un beau souvenir, en tout cas, malgré tout. Malgré la douleur et les pleurs. Pierre-François, je sais que tes fans qui sont à l'écoute ce soir se disent depuis le début de l'émission, ben voyons, faut qu'il passe ça, faut qu'il passe ça. Et oui, c'est maintenant, nous allons regarder un extrait de la dernière scène des Invincibles. Scène marquante à la télé québécoise. Ben oui. Fight, baby, fight. J'ai encore des frissons. C'était vraiment très bien fait. Oui, 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 c'était triste, mais oui, ben oui. Tout marche, tu sais. Oui, 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 puis c'était... Moi, j'en reviens pas qu'une bande dessinée me fasse brailler aussi, mais quand t'as suivi la série, puis tu vois Fantoman qui lâche, puis là, c'est fini, ma belle, tu peux t'en aller, puis tout ça, donc, oui. La musique aussi, puis moi, quand tu m'avais parlé de ça, Jean-François, il disait, c'est cette tune-là qui finit, puis je fais... Es-tu sûr qu'il va pas avoir un niveau un peu quétaine? Il dit, fais-moi confiance. Alors, ça marche vraiment. Oui, oui, ça marche bien. Catherine Trudeau l'a raconté, elle était enceinte, elle, quand elle a tourné cette scène-là. Ça a été difficile au niveau des émotions pour elle, évidemment, parce qu'elle attendait un bébé. Toi, si je me trompe pas, tu avais un enfant qui s'en venait aussi. Là. Oui, oui, oui. Ben oui, Cynthia était... pas dire n'importe quoi, t'as l'air de moi, là. Cynthia était enceinte de 8 mois à ce moment-là, donc... Évidemment, à ce temps-là, la traque émotive n'est pas super dure à trouver. Tu sais, ça, c'est un peu c'est à la limite de la tricherie pour un acteur. Tu sais, t'embarques dessus assez rapidement. Mais c'était aussi... Carlos, à ce moment-là, mettait fin à son amitié avec les 3 autres Invincibles. Puis nous, on sentait aussi que dans nos vies,
ben, on passait un peu à d'autres choses aussi, ouais, les gars ensemble, parce qu'on est des chums depuis très longtemps. Puis on se disait, quand est-ce que ça va arriver, un projet comme ça, où on va se retrouver tout le monde ensemble, puis qu'on va retravailler, donc profitons-en. Tu sais, donc, il y avait en même temps tout ça, il y avait ma femme qui était enceinte, nanana, nanana. Donc, ça a été vraiment un moment... très marquant. Un marquant, assez marquant pour moi aussi. Merci beaucoup, Pierre-François, d'être venu nous voir ce soir. J'aimerais mentionner aux gens qu'on peut te voir dans Adam et Ève. C'est tout de suite après notre émission, les mercredis soirs, 21h à Radio-Canada. Il y a aussi Il était une fois dans le trouble sur les ondes de VRAC. C'est les lundis à 17h. Il y a des reprises également. En tournée cet hiver avec la pièce Bar. Oui. Production du théâtre de l'Opsis. C'est tout l'hiver 2013. Et sur leur site Internet, il y a les dates et les détails. Et tu es aussi porte-parole de la Fondation Holo qui vient en aide aux femmes enceintes dans le besoin. Je suis parrain d'un mouvement Bébé Engagé qui s'associe avec la Fondation Holo. Merci, Pierre-François Legendre. Merci beaucoup. Mike Ward poursuit sa tournée. Mike Ward s'expose plusieurs villes jusqu'en mars 2013. MikeWard.ca pour avoir toutes les dates. Il y a Cliptoman qui se poursuit à Musique Plus les mercredis soirs à 21h. Et il y a les podcasts sur iTunes qui sont toujours là. Mike Ward sous-écoute. Mike Ward sous-écoute où tu jases avec des humoristes, des collègues, des discussions vraiment le fun qu'on ne voit pas à la télé. Non, qu'on voit nulle part, sauf sur Internet. Merci, Mike. Cool, merci. Et finalement, Louise Turcot nous rendait visite aussi ce soir. On peut la voir dans 30 vies ici à Radio-Canada du lundi au jeudi, 19h. Dans Les parents, les lundis soirs à 19h30. Et chez nous, là, nos enfants, ils disent toujours Sky Pie. Sky Pie. À cause du personnage dans Les parents. Et elle sera également de la distribution de 19-2 à l'hiver 2013. Merci beaucoup, Louise Turcot. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Véronique. Merci à toute notre équipe. Merci à vous en studio et à vous à la maison pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Bye. Carmen qui mène. C'est comme des images, là. Sale chiette! Tu vas dire pardon, ma tante! Parce que c'est Carmen qui mène! Alors, elle ne fait pas que pleurer! Non, j'ai des moments plus énergiques. Fait pleurer. D'ailleurs, le pauvre monsieur, le pauvre figurant qui était habillé en... Bisondouin? Non! Alors, il était dans une position très virile. Vulnérable. Très vulnérable. Et puis, à un moment donné, entre les prises, il s'est retourné comme ça, puis il a dit, un peu moins fort. Oh! Oh, mon Dieu!